Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous de chaque samedi soir sur la DRTV International, canal SAT 332 sur Facebook DRTV International et sur YouTube DRTV International. C'est Fiesta donc Tombola Boka. Comme vous le savez, nous sommes en direct. Et lorsqu'on est en direct, vous savez, j'aime cette proximité que l'on a créée ensemble, c'est-à-dire à travers les numéros de téléphone. Vous avez pour les abonnés RTL le 45-45 et pour les abonnés MTN le 55-56. Tout au long de cette semaine, vous avez vu ça a défilé sur vos écrans. Vous vous posez des questions, vous l'avez tant attendu. Ce soir, pour vous, spécialement ceux qui adorent la bonne musique, sachez que l'on va recevoir l'une des belles voix de la musique congolaise. Lorsque je dis l'une des belles voix, oui, je confirme et je répète encore, l'une des belles voix de la musique congolaise qui est donc notre invité ce soir. Et lui, il a choisi le style, pour moi, qui est l'héritage, parce que lorsqu'on parle du patrimoine, c'est-à-dire la rumba, et c'est ça son style, c'est ça sa signature. Et vous savez très bien qu'il est passé par Extra Musique Internationale, Génération Universale, et aussi dans le groupe de l'artiste Doudou Kopa. Mais depuis donc 2017, il a donc décidé de se lancer dans une carrière, on va dire, tranquille, où il est là, seul, à réfléchir sur ce qu'il doit faire parce qu'il a une vision. Ce soir, pour vous spécialement, je reçois Segra Karl, autrement appelé le traumatiseur. Bonsoir. Bonsoir, Kodeshungu. Très heureuse de te retrouver, quoique ce rendez-vous, je ne pouvais pas me retenir, mais ce rendez-vous, je vous assure que ça a traîné. Hein, mais finalement, il a accepté d'honorer, en tout cas, d'être là ce soir. Il est là ce soir pour vous, il est là ce soir pour tous ses fans, il est là ce soir pour la bonne musique, il est là ce soir pour partager avec nous aussi un grand programme. Et comme vous le savez, c'est Segra Karl, c'est vrai qu'il parle moins, mais c'est plutôt sa voix qui résonne partout à travers ses très belles chansons, à travers son travail. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est notre invité ce soir, invité très spécial. Donc je vous rappelle que vous pouvez appeler, nous sommes en direct. Donc pour tous les abonnés RTL, c'est au 45-45, les abonnés MTN au 55-56. Et donc sachez que lorsque vous appelez, vous avez votre question et surtout qu'il va nous partager un tout petit peu. On va se balader, hein, on va dire ça comme ça, on va se balader à travers les tubes, à travers les chansons, son travail. Il va vraiment s'ouvrir à nous, nous raconter un tout petit peu cette aventure, comment ça a démarré et là où il en est aujourd'hui. Mais je tiens aussi à signaler la présence de celui-là qu'on appelle Christian Maccabi qui est là parmi nous ce soir, qui autrement, on va dire, il est quand même en train de réaliser, mais à sa manière. De l'autre côté de la régie, j'ai donc Roland Niax et sans oublier le son et la réalisation de l'émission, on a donc Jonas. Ah oui, alors c'est grave, ça va, ça se passe bien le boulot? Non, ça va très bien, ça va très bien. Encore une fois, merci. Merci de m'avoir reçu sur ton plateau. En tout cas, merci, ça va. Merci, ça va. Alors, moi, comme je dis toujours, Bandara toujours toqué dans nos bandes les avant tout hier à Malembe. Segra Karl, parce que Ezapo Nangamba Alibosoa Koyamba Segra Karl, donc j'ai vraiment envie de connaître Segra Karl. Alors, Segra Karl, l'aventure avec la musique, comment est-ce que ça a démarré? Bon, moi, on m'a toujours posé, j'ai souvent répondu à cette question. La musique, c'est avec moi, je dirais que c'est une autre histoire, c'est arrivé comme ça, je pense qu'elle m'avait choisi, et voilà, je dirais que je suis resté dedans toute ma vie. Donc, toute ta vie. Toute ma vie. Ça m'a connu, je ne sais pas à quel moment. C'est peut-être que dès que j'ai su comment parler, comment est-ce qu'on fait pour chanter, c'est là que j'ai compris que j'avais peut-être ce don et tout. Donc, mais en dehors de ça, il y avait autre chose en tête. Il y avait peut-être un petit rêve d'enfant, comme tous les enfants. Bon, malgré tous ces rêves, il y a toujours eu. C'est vrai, il y avait des rêves, mais comme c'est un truc dans lequel j'étais, donc ça a dû influencer tout ce que j'avais comme idée ou tout ce que les gens ou les parents avaient prévu pour moi. Bon, voilà.
Je dirais que c'est peut-être la volonté divine. La volonté divine. Et donc, tu te dis réellement, je suis là où il fallait être. Ouais, peut-être. Il y a forcément une raison. Et donc, cette raison, on essaie de comprendre pourquoi. Parce qu'à des moments même, moi, je me pose cette question. Tu te poses cette question. Pourquoi, pourquoi? Eh oui, c'est ça la vie. Tous les jours, on se pose des questions. Parfois, on n'a pas des réponses, mais on essaie. Alors, dans ta musique, c'est vrai que quand on parle de la rumba, c'est la douceur, c'est l'expression à la fois corporelle, surtout pour nous, les Bantous. Hein. Donc, quand on parle de la rumba, on sait comment ça se passe, la manière dont on danse, les paroles et tout, etc. Mais entre-temps, il y a la douceur dans ta voix, il y a ce charme-là qui donne un peu des frissons et tout ça, là, etc. Mais entre-temps, on t'appelle encore le traumatiseur, mais il y a contraste. Bon, tu traumatises qui, en le fait? Le traumatiseur, c'est un concept parce que ça va un peu dans les deux sens, mais surtout pas dans le mauvais. Hein, parce que si, en fait, quand je dis les deux sens, c'est que c'est vrai, il y a le côté positif et négatif. Comme toujours, comme Dieu est positif et négatif, donc le traumatiseur aussi c'est beaucoup. Mais moi j'aime beaucoup plus le côté positif, là où il traumatise pour faire du bien, dans le sens où ça peut traumatiser dans le bon sens aussi. Donc je veux vraiment prendre le côté positif du traumatisme. Et voilà, c'est pour ça aussi que je suis en même temps le traumatologue, parce qu'il y a ceux qui sont aussi traumatisés et que tu vas soigner d'une mauvaise manière. Et voilà que je suis obligé de les soigner moi-même. Et bien, dis donc, ça c'est compliqué, alors on apprend des choses avec Segra. Alors, pourquoi avoir choisi de rester dans ce même style, dans la rumba? Bon, je suis dans la rumba, mais rien n'empêche que je fasse dans d'autres styles, puisque je le fais déjà quand il s'agit de mes chansons. Il y a souvent un certain mélange, moi, que j'appelle de l'innovation, parce que j'essaie toujours de faire de la rumba rénovée. C'est-à-dire, il y a toujours une autre touche, on sent qu'il y a toujours une présence d'autres styles dans ma musique, et c'est ce qui fait aussi la différence. Donc aujourd'hui, moi, je me sentirais à l'aise dans n'importe quel style, que ce soit le zouk, R&B, peut-être le rap que je n'ai jamais essayé, mais quand je m'entends, je vois si je m'y mets, je pense que je ferai quelque chose. Tu ferais quelque chose. Ok, d'accord. Alors, ensemble avec nos fidèles téléspectateurs, on va voyager et donc on va passer de l'autre côté de la régie. On va retrouver cette très belle chanson qui on avait retrouvée pas au tout début, mais ça cartonnait. On se posait la question, mais il sort d'où celui-là pour ceux qui ne connaissaient pas? D'autres disent, mais oui, mais c'est lui, mais c'est pas lui. Mais c'était tellement magnifique et je crois que c'était là le grand départ. Ensemble, donc, je vais vous offrir encore ce beau souvenir dans cette très belle chanson Elombé. Et on se retrouve tout juste après. Il n'existe pas un monde plus grand que le ventre d'une femme. Ce gracar, le traumatiseur, chante. Oh Jonas, Bakamisona, Sima. O talananu esika tobanaki O kenda otikanga na mawa Zanga papa tokolisa ye elanga na biso Oyabaka bebe Bolingwe zalaka bazena confiance Uta otikanga ominga e Bibali nyoso balata nde maputa Misonanga elula obeyoye Nana kokaka kosangisa mibalite Gédéon Moussa Yana Komo Gédéon Robino ça viendra Maman Pasco Yeba Oza Fornangay Natangoya Molili Oza ange gardien Nangaya défense Papa na Joana na Joachim Le cœur d'Ornella Mbossa Mon premier amour, tu es mon grand amour Un amour synonyme d'évidence chaque jour Chaque minute, ton amour si fort qu'il mourra jamais Et ne se trompera jamais, ne perdra pas sa magie Un amour pour lequel on a envie de se battre Afin de le préserver pour toujours Jonas Omingae mon amour Balio, au Balo qui côté à Nineko, mon colonel Rémi Ayayos, Noëlla au Koboé, Zener au Cana, Jean-Marie Molato, moi c'est ce grand Carlo. Où que tu sois, je pense à toi, Jonas. Ce que je ressens, c'est l'amour de l'amour, Jonas Omingae.
appelle-moi tout simplement amoureuse. Où que tu sois, je pense à toi, Jonas. Ce que je ressens, c'est l'amour de l'amour. Jonas, appelle-moi tout simplement amoureuse. Mon bébé, ah mon bébé. Mon bébé, Jonas Ominga, mon bébé. Mon bébé, ah mon bébé. Mon bébé, Jonas Ominga, mon bébé. Mon bébé, Linda de l'INSEE, où est ton bébé? Mon bébé, Sarah Bouanga, Vérotia la bienzée. Si j'étais Pocahontas, toi tu serais mon cowboy. Mon bébé, Jonas Ominga, mon bébé. Nala ale, salanga ye lengiye. Nale ye, salanga ye lengi, tango bimisi. Elombe ya, oza elombe. Chouma mopila, Borel Mayala, Leris Elombe. Kukula elombe, mwana nyawe elombe. Kukula elombe, mon bébé elombe. Elombe, Dini Elvis, Talisson Okombi. Elombe, Romia, Lombo, Songe, Yambeli. Eh, ngaye. Où que tu sois, je pense à toi, Jonas. Eh, ngaye. C'est l'amour de l'amour, Jonas Ominga. Appelle-moi tout simplement amoureuse. Kael Ndundua. Où que tu sois, je pense à toi, Jonas. Jonas Ominga. Papa na Joachim, na Jonas. Amoureuse, je prie ma décision. I love you, you and me, it's for life. I follow you, you and me, it's for life. Love me now or never. I love you, you and me, it's for life. I follow you, you and me, it's for life. Love me. Voilà donc Elombe. Donc on voit le chemin. Hein. Donc vraiment on voit le chemin. Ebimaki, Tozaki. En fait, déjà bravo parce que c'est pas facile qu'Obimiselo et puis est impacté. Parce que cette chanson, et ça a touché tout le monde a kiffé. Et puis je pense que Etikali, toujours, et là, Moko est. Intemporel. Intemporel, voilà exactement ce que je l'ai dit. Donc ça veut dire que tu as réussi sur ce coup. Alors, depuis 2017 que tu as décidé de voler na voix, na eux et tout, tu comptes déjà combien de, on va dire, côté discographie en fait? On va dire quoi? Un EP, et puis un 8 quoi, on va dire guitare. Donc un single, non, deux, trois singles, uh-huh. Tequita, Ma Panacée, Au nom de l'amour, trois singles et puis un album. Un album Next Level. Tu vois. Next Level, c'est qui, le... qui a 10 titres, oui. Qui a 10 titres. Actuel. Voilà, et d'ailleurs tout à l'heure on va parler de ce grand programme qui t'attend du côté de la France. Oui. Parce que tu vas voyager, donc tout à l'heure on va balancer et puis on va essayer de parler un tout peu de tout ça. Alors, moi maintenant, je vais m'intéresser à ce que tu arrives à nous dire là. D'abord, ta source d'inspiration. On a dit que dans tes chansons surtout, on sent que c'est un amoureux qui parle. C'est vrai que là, c'est pour un homme, certes, mais on a l'impression que c'est une femme qui parle et tout. Ça dit tout est basé sur l'amour et sur les femmes. Pourquoi avoir choisi seulement cette signature là? Bon, peut-être c'est parce que c'est ma nature aussi, hein. Je suis de nature, je dirais, amoureux aussi. Voilà, donc après, bon, la rumba sans amour, c'est plus la rumba. La rumba, en fait, je dirais, pour que ça puisse avoir un sens, il faut vraiment qu'il y ait de l'amour. Et même dans la vie de tous les jours, sans l'amour, je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas vivre. On ne peut pas. Voilà, il faut qu'il y ait l'amour, parce que l'amour, c'est la base, c'est vraiment la source, ouais. C'est-à-dire le noyau. Il faut vraiment commencer par l'amour, après autre chose. Donc même ça l'amour nous donne dans une des autre, ailes. Voilà. On a l'impression voilà. De respirer. L'amour en tout cas, c'est. On voit les étoiles. Il y a pas plus beau que l'amour. Ouh. Et bon, ce qui est bien, comme moi je dis toujours,
quand il est question de parler d'amour, je dis toujours, c'est bien d'être aimé que d'aimer, en fait. Justement. Ça, c'est selon moi. Bah oui, parce que c'est comme un peu, c'est comme moi, j'ai dit dans mon loulou, hein, j'ai dit, sache mon amour, l'amour est un très bon maître, malheureux ceux qui ne l'ont pas connu. Il y a des gens qui ont vécu sans pourtant connaître l'amour. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis malheureux ceux-là. Voilà. Mais alors c'est égoïste pour une femme qui préfère que ce soit elle qu'on aime, mais qu'elle, elle aime moins. Est-ce que c'est égoïste? Bon, je ne sais pas, vous savez que généralement les femmes ne choisissent presque pas. Parce que c'est nous, oui, mais la case dans l'homme, voilà. Moi ça l'oublie que. Ah. Par exemple, et la façon pas ida au Lobano, et puis c'est pas si tu l'inga, en fait, particulièrement moi et tout, ça dit que l'inga a plus que la linga. C'est juste une façon de se, pour, en fait, se garantir, se sentir exactement, en sécurité. Tu vois, parce que tu as compris voilà. Ça. C'est pour sinon, ne pas souffrir. Sinon, les femmes aiment plus. Parce que ce qui. Voilà. Mais justement, problème de l'Alobion, pourquoi? Parce que si vous, on vous aime plus. Mais bus au Pémibal, ton linga, parce que la linga, bus au plus. Ah, après, si Coca d'Auto, Valenze, Bois, ou Alobiké, au Bois, à nous, on a tes mousses, on a qu'un banda. Donc, ce qui veut dire que. Pourquoi avoir cette assurance si Orlobaki n'a pas été dans un local? C'est parce que tu sais que la femme t'aime trop, elle ne va pas partir. Mais moi aussi, elle ne va pas te laisser tomber. Voilà pourquoi je ne veux pas te quitter. Mais pourquoi me prendre à quelqu'un d'autre? Le problème, c'est pourquoi prendre à côté? Ah, mais bon, vous savez, il y a des raisons qui ne. Voilà, les choses. Des fois, il y a des raisons qui n'ont pas de raison, quoi. Donc, voilà. Donc, peut-être pour soutenir, oui, c'est la relation. Bon, ou bien on ne sait jamais. Parce que, bon, on a ce qu'il faut. Tout le monde a Jonas à ouais, hein. C'est pas fini, on va toujours continuer. C'est très curieuse et j'ai envie de comprendre. Et pareil aussi, si vous avez cette curiosité, en tout cas qui vous anime comme moi, n'hésitez pas à réagir au 45-45 ou encore au 55-56. Et pour les SMS aussi, je vous rappelle, ami Emeraude. Alors, Etumbambe Tokaka Mai et Katarayango. Ouais, ça c'est dans ma folie. Moi je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, ça passe pour. Ils ont comme une métaphore. Bon, et oui, ils ont une métaphore, peut-être pour certains. Mais sinon, c'est, pour moi, c'est simple, sans aucune arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Donc, et tout m'amène tout. Quand deux personnes se battent. C'est que tu réponds, tu es tellement zen. Justement parce que je n'ai rien à me reprocher. Non, tu n'as pas besoin de te reprocher, mais tu dois nous parler de cette inspiration. Et tout Mbeto, on sait tous que Mbeto Maïs a la raté. Ah bien, il a peu balayé. Et là, au Tegozo Bunda, deux fois, on a Mbeto. Tu sais, Maïs, c'est plus que beaucoup de choses. Le loto, Tegozo Bunda, Banamike, par exemple. Ah, Tegozo Bunda, Mbeto, on se perd dans mon Maïs. Marosane. Bitumbe Katani. Bitumbe Katani. Ah, d'accord. Donc bah, voilà, j'espère qu'on a compris. Donc à chaque fois, Itumbambe tout, Maïka a monté 4 ans. Maïka. Donc, problème, moussouté. Donc, il y a un bout de rapembe, il y a un bout de bidon, un bout de coupe, un bout de nid. Maïs ou pas, Nigaga. C'est comme Maïs ou pas, voilà. Donc, on continue toujours. Alors, on va parler des distinctions. Il faut rappeler que Segra Karl était donc la révélation de l'année Studio 210 à Brazzaville. Prix spécial du jury Sanza deux fois en 2019. Révélation Afrique Centrale Canal d'Or 2019, prix Révélation Rumba Pool Malebo Music Award 2019, et puis École d'Amour Meilleure Chanson Rumba Festival Afrique Award 2022. Ça fait quoi de savoir que tu as commencé à évoluer avec d'autres, mais tu décides de prendre ton chemin, et après tu as ces distinctions au Koya, et puis Moussa Langozo Benda partout. Tu te dis que voilà, j'ai fait le bon choix, ou tu te dis que bon, ça pouvait aussi arriver même si je n'avais pas pris ce chemin? Bon, moi déjà, ça a toujours été, bon, ça, pour toute personne, ça a toujours été un souhait d'un jour pouvoir voler de ses propres ailes. Ouais. Et c'est ce qui se fait déjà. Mais il faut seulement savoir, souligner que ce n'est pas aussi facile. Ouais. Et donc aujourd'hui, ces distinctions, pour moi, je trouve que c'est mille fois rien à ce que je voyais ou à ce que je vaux, ouais. Ce que je mérite sincèrement. Bon, c'est peut-être parce que, comme on dit, vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Ouais. Ou encore, il faut se contenter de ce qui est là. Mais je pense que peut-être que s'il y avait toutes les conditions comme j'imagine ou comme j'imaginais réunies, ça pouvait être plus que cela.
Oui, mais c'est pas fini, l'aventure continue. Oui, l'aventure continue. C'est pas encore fini. Voilà, on continue. Voilà. Alors ensemble, cette fois-ci, on va décortiquer une autre chanson, c'est-à-dire Namaboko ya Nzambe. Et cette fois-ci, le titre déjà Namaboko ya Nzambe, on va essayer de découvrir. Est-ce que Zanzibar Togo est bien dans l'église, tout roulé là, car sous Bolingo Nango. Je vous laisse découvrir et on va se retrouver tout juste après. Et il va nous dire c'est dans quel album et c'est l'inspiration justement de cet album. C'est parti, Namaboko ya Nzambe. Entre tes mains, Seigneur, je place ma vie et mes espoirs. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Pourquoi tant de haine? Heureusement que Dieu jamais n'échoue. Il y a de haine qui se cache derrière les masques. Et celle qui se cache derrière un PC. Nalingiye, alingi ngate, c'est hypocrisie. Kosekandi yambebo, motema mabe. Ah, azamotema mabe. La plus irréconciliable de toutes les haines, c'est la haine de l'envieux. Le traumatiseur, c'est gras car le moine chez la Okuna n'est au bien. Et n'a papa n'a blanchi. N'a papa n'a chancé. N'a kobale qui est belé. Oh na kolela nangana nzembo. Oh na kolela nangana nzembo. Baba na mokili bazali ko apie. Baba na mokili bazali ko apie. Ici toi lui va changer à côté. Passer à moto est un nostalgique. Mais avenir à moto nettoyer bakate. Ona kolela nangana nzembo. Ona kolela nangana nzembo. Ah boya kangana delie. Ah to kangana delie. Ah boya kangana delie. Mapanga vesan boya kangana delie. Maeba kenda boya kangana delie. Baloba soke moningo kie. Belela ye. Belela ye. Belela ye. Belela ye. Mini angona nga ye. Yendo. Yango nini angona nga ye. Tato ye. Kabwendo. Lo vio parano en jalouna nga. Voilà Namaboko ya Nzambe. La différence avec cette chanson est remplie de, on va dire, il y a une leçon. Contrairement, il y a qu'on est là, mais ici on dénonce la haine, la méchanceté. Est-ce que c'était une chanson inspirée que par rapport à vécu, il y a quelque chose ou quoi? Parce que on sent que tu chantes ça avec. Avec vraiment, tu t'es impliqué, c'est comme si c'était en rapport avec toi. Parle-nous un tout petit peu de cette chanson. Ben oui, justement, c'est un peu en rapport avec moi, par rapport à ce qu'on vit dans ce monde. Vous savez, très jeune, quand on vient dans ce monde, on ne sait presque pas ce qu'on va rencontrer demain. Mmh. Mais dès lors qu'on grandit, on essaie un peu de voir autour de nous, on essaie de se battre. À chercher un jour paix au fan sa marambo au sunga famille kandingi zalara, mais autour de toi quand tu comprends qu'il y a des gens qui essayent de te mettre les bâtons dans les roues, qui essayent de voire même t'éliminer, qui ne veulent même pas que tu existes simplement parce que tu leur fais peut-être ombre. Oui. Et donc
Et après, tu te rends compte que mais finalement, donc, j'étais dans un monde où, on ne peut avoir confiance qu'on soit quoi. Donc, et c'est pour cela que tu rappelles que non, voilà. Une façon de dire, ceux qui sont. C'est en même temps, je suis en train de me poser des questions. Ceux qui ont commencé, en fait, où est-ce qu'ils sont? Et en même temps, une leçon aussi. J'essaie un peu de... Tu n'as pas besoin de faire du mal à autrui parce que Demain, on part, en fait. Il passera. Tomatato kita, batoutou baokende. Donc, tu me fais du mal aujourd'hui. Demain, quelqu'un d'autre viendra. Tu vas encore lui faire du mal. Ainsi de suite, tu seras obligé de faire du mal à tout le monde. Mais tu oublies que toi aussi, tu partiras. Exactement. Donc, voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Voilà, donc je rappelle à tous nos amis qui essaient d'appeler depuis ces Libreville qui appellent. S'il vous plaît, envoyez plutôt vos messages. Je ne pourrai pas répondre à vos appels en direct là en ce moment même. Donc, Botinda, Bongo, message, Nabino et tout. Alors, c'est grand Karl, ce qu'on a remarqué aussi, il y a un côté humain, parce que c'est vrai que tu restes humain. Oui. Surtout pour quand on aime l'amour aussi, ça veut dire qu'on est très humain. Et on a constaté que tu étais engagé parce qu'il y a eu en 2019 don aux orphelins, quartier Kintsundi et Kombo. C'était donc, je crois, le lendemain, il y a Noël, hein, c'était donc le 26 décembre. Et c'est pas tout. Il y a eu aussi don et pas et à Baveuve. Pourquoi tu as pensé te dire que non, voilà, je dois penser aux orphelins? Bon, c'est des choses qui se font chaque année, on va dire, plusieurs fois. Simplement parce que c'est comme ça. J'aime bien partager aussi aux autres. Pourquoi pas ceux qui n'ont pas. Donc, du coup, je me dis, c'est vrai, c'est pas que Tozoara tout le temps, Tozoara rappé, très souvent. Mais quand il y a un peu, on essaie de donner aussi à ceux qui en manquent. Parce que voilà, la vie, c'est comme ça. D'accord. Alors, avant de rentrer maintenant dans plus de, on va dire, dans ce qui est par rapport à, on va dire, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, les salles que tu as kiffées déjà par rapport à ce que tu as fait, quelle est la chanson pour toi que tu as peut-être espéré que ça devait cartonner, c'est peut-être pas ça, quelle est. On va d'abord suivre cette bande-annonce et tu vas nous expliquer un peu ce programme. Comment est-ce que ça s'est passé pour que tu puisses être invité? On sait que ce n'est pas la première fois, mais ça, c'est ce qui se prépare déjà ce 21. Donc, on va suivre parce que j'annonce à tous ceux qui sont en ce moment même en France, qui nous suivent, que c'est grand Karl, il sera là très bientôt entre vos murs pour ce rendez-vous. Et donc, préparez-vous déjà à aller écouter de la bonne musique, la rumba surtout, parce que je vous rappelle que c'est l'une des belles voix de la musique, de la rumba, l'héritage qu'il a aujourd'hui, et donc ça se prouve, il prouve à travers sa musique. Et donc on va suivre justement pour connaître l'heure et la date justement de ce rendez-vous, et il va nous en parler un peu plus. Il n'existe pas un monde plus grand que le ventre d'une femme. Ce grand Karl l'a trop. La diaspora, les amoureux de la bonne musique, les amoureux de la rumba. Ici le traumatiseur, c'est Grand Karl. Alors je vous invite tous ce 21 octobre 2023 au New Morning à Paris. Nous allons retracer l'histoire de la rumba congolaise. Venez, on va célébrer la rumba congolaise. Mon bébé, ah mon bébé, mon bébé, mon bébé, ah mon bébé. La fête sera belle et totale. Na boyote, na zoloka mbanda. Nana lingaka, tango yo bimisaka baplay. Tango silikaka, okomisaka ngana lola. Eh, c'était bien. Ah, tu vois. Na boyote, na zoloka mbanda. Donc... Les femmes aussi, on peut dire. Non. Mais pourquoi? Quand même. Vous voulez être lapidé ou quoi? Pourquoi on va être lapidé? Quand on est là, comprendre pas. Il y a des gens qui sont dans la bino. Il y a des gens qui sont dans la bino. Mais non, parce que... Pour me rappeler, il y a des gens qui sont dans la bino. Comme ça, tout ça. Vous savez, la femme, tu as la moissi. Ça rend la moissi. Moissi. Ah, aux hommes, man. Moi, si koto na moto pena kufi la linga ngote moto kufi la non laisse ta kufa sunde ni moto kufi sekuli susu koto pena moto kufi la moi si yo la bia kufa nenya iba non zone c'est à dire o ibi moto mongo yo singe pardon limsa
Moussa Ngamoto, il y a moi par d'autres. Ah bon? Imaginez. On va continuer parce que tout à l'heure, Oli va arriver. Moi, j'ai envie. Parce que ce rien que le titre Oli, ça nous demande d'aller au lit. Parce qu'on sait ce qu'on peut faire au lit. On peut dormir, oui. On peut se reposer. Oui. On peut faire des tas de trucs. On peut faire crac-crac. On peut faire des tas de trucs. Ça, c'est le lit. Mais là, on va en parler. Alors, on va plutôt parler de ce programme, de ce concert. Parle-nous un peu plus de ce concert. Oui, New Morning, l'une des salles mythiques en France. Et on a vu des grands artistes passer là-bas. Aujourd'hui, on s'est dit, mais pourquoi pas? C'est Gracar, le New Morning. C'est une salle, normalement, et Toko Lobagéza, salle à Bahembi. Parce que la plupart de ceux qui sont passés là-bas, Bahemba. J'ai dit, bon, pourquoi pas? On a nos vies aussi qui sont passés là-bas. Ben, j'ai dit, on va le faire. On avait calé, normalement, on avait prévu le faire en décembre. Mais par rapport à. Au calendrier de la maison de production Triple M, que je salue, ils ont dit bon, il faut le faire en novembre. Okay. Maintenant, en novembre, il n'y avait pas de date. Bon, que faire? Il y a une date qui se libère en fait. On nous dit qu'il y a une date qui est disponible là, le 21 octobre. On a signé. Et après, ils nous ont dit qu'il y a une date encore le 17. On a dit non, on avait déjà pris le 21, il n'y a pas de souci et tout ça. Bon. C'était un peu trop juste pour nous. Mais on avait normalement un mot à défi. Hein. Donc pour moi, mon seul souci, le jour-là, c'est chanter en fait. C'est chanter. C'est chanter. Ce qui n'est pas un mot, l'échec. Tant que nous avons, en tout cas, ils en ont réussite totale. Réussite totale. Donc tu donnes rendez-vous. Donc je donne rendez-vous à tous ceux qui se trouvent en ce moment en Europe, en France, en Île-de-France. Vous qui êtes partout, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne. Tout coup, on a le 21 août, c'est-à-dire le samedi sur prochain, na New Morning, hein, au New Morning à Paris. Je pense que la soirée sera vraiment belle parce que la rumba congolaise sera représentée. Valablement. Voilà, voilà. Valablement. Mais bon, c'est pas la première fois que tu te retrouves sur scène en Europe. Mm-hmm. Alors dis-nous un peu comment ça se passe. La rumba est bien accueillie là-bas? Où tu te dis que bon, voilà, on essaye, ou tu te dis que pourquoi pas, voilà, j'affronte ça tranquillement. Justement, c'est pas, on va pas, en fait, on va pas se leurrer, on va pas aussi mentir pour mentir. La rumba aujourd'hui, c'est une même musique, surtout du côté de Congo-Brazzaville, qui regresse. Okay. Dans quel sens? Il y a peut-être pas assez d'acteurs dans ce domaine, et surtout, on est un peu, on va dire, en retard par rapport aux autres. Donc quand on parle de rumba, moi en fait j'ai toujours un souci, je le dis souvent, très souvent, haut et fort, ça m'écœure quand même de voir que quand on parle de la rumba, des légendes de la rumba, on parle des stars de la rumba, on cite la RDC, mais vraiment très moins, presque jamais, le Congo Brazza. Simplement parce que on a peut-être du mal à promouvoir notre histoire. Okay. Encore à faire parler de notre histoire. Donc, peu de gens savent que la rumba a commencé ici et ça a traversé. Peu de gens connaissent cette histoire de Paulo Kamba jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. On sait qu'il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, Bantou de la capitale, il y a eu le clan Extra, Patrouille, Doudou Kopa, et voilà. On parle de la relève, c'est Gracar, tout ça là. Normalement, il fait Zaylo Gombitska, Nabamuto Bato. Il y a aussi des Congolais de Brazzaville, Obayebi Amote. Oui, bah c'est Bélé. Donc aujourd'hui, quand on parle de rumba, ils sont obligés de s'agripper ou de s'accrocher à d'autres cultures, à d'autres musiques. Donc pour moi, je me dis non, c'est pas ça. Il faut vraiment maintenant combattre, essayer un peu d'installer cela ou de mettre cela dans la tête des gens. Et pourquoi pas sur la place de Paris, en France. Pas seulement au Congo, on ne peut pas seulement faire des concerts au Congo, Tokyo, Yoto, Zongi, non. Il y a aussi les Congolais là-bas. Aussi les étrangers, parce que ce jour-là, il n'y aura pas que des Congolais. Dans la salle du New Morning, il y aura des. Du coup, il faut pas. Rumba, et puis du Congo Brazza. Donc c'est ce que je veux. Comme ça, au moins, ils auront aussi l'histoire et comprendront que,
au Congo Brazza, il y a aussi des bons chanteurs, il y a des bons compositeurs, il y a ceux qui peuvent bien faire. Seulement, peut-être qu'ils n'ont pas eu la même chance que les autres. Que on les a évité, voilà. Peut-être surtout à Karamango. Surtout que Fotolobela, voilà. Ils ont patrimoine les lots, donc ils ont fierté à Kukuka, qu'au Bundapo Nango, qu'on a égardé justement place Nayango. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Alors, c'est grave. Depuis 2017, il y a eu, on va dire, des mouvements Kobanda, carrière, Solouisa, facilité et tout ça. Alors, quels sont jusque-là les mauvais souvenirs que tu as pu garder ou tu as décidé de dire, je crois que je laisse tomber, je suis fatigué, je crois que c'est bon. La musique, là, non, ça m'épuise. Ou tu es resté un bon guerrier, tu t'es pas lassé, en fait. Bon, je pense que c'est beaucoup plus le côté où, je dirais, les gens sont plus fourbes. On rencontre trop d'hypocrites dans ce milieu. On rencontre des gens qui ne tiennent pas leurs paroles dans ce milieu et on rencontre des haineux. C'est-à-dire pour rien comme ça, Moutoiro la Moukabalobi, que tel on a ni arrêté. Soutenir pourquoi Azangi coûte expliquer. Azangi, voilà. A un mot créé. Soit il y a Zalara gonflé, soit il y a Zalara boyé. Mais c'est-à-dire, ce roi Timoutoukwanga, par exemple, auparavant, on disait que Azara timide. Donc, on ne peut pas ignorer parce que Azara timide. Bon, imagine. Donc, du coup, il y a tellement de choses. Ça, c'est encore. On est arabe, l'homme est vite fait. Voilà. Mais après, quand tu vis des choses comme, par exemple, tu vois, par exemple, un Congolais, ou à qui, par exemple, et pas mon Ninga Congolais, toi et pas mon Paya. C'est-à-dire, qui t'empêche d'avancer. C'est-à-dire qu'au lieu que à se concentrer, à avoir énergie naïe, à travailler, à avancer, à ce qu'à avoir énergie ouana, à tirer mon secours pour n'avoir qu'au repêcher mon tout, pour n'avoir empêché mon tout pas avancer. C'est ça en fait quand tu vois ça, à un moment tu as envie, tu dis bah peut-être que la tique est là-bas moi, comme ça je serai du calme. C'est un peu ça en fait. C'est peut-être ça. Après il y a aussi quand tu vois tout ce que tu fais, moi par exemple, moi toute ma vie, je ne passe pas un seul jour sans faire la musique. Okay. Parce que quand je dis je ne passe pas un seul jour sans faire la musique, ça veut dire que soit nao ema, soit nao composé, soit nao répété. Donc je passe mon temps que dans la musique. Parce que ema, c'est-à-dire nao van a peu boué, même ton nao sur la nao ema. Donc je suis que dans la musique. Soit je répète, soit j'écris des chansons, je ne fais que la musique. Soit je suis sur Internet, ce que je fais sur Internet, c'est la musique. C'est la musique. Je suis sur mes pages, je suis sur ça, je suis sur tout. Donc toute ma vie, c'est la musique. C'est la musique. Maintenant, quand tu regardes l'énergie que tu dépenses, et ce que tu reçois en retour, tu as comme l'impression que mon client est ingrat, en fait. Ok, voilà. Voilà. Et ça, ça peut aussi te décourager. Oui. Mais comme c'est, dit le mara passion, c'est ce qui vient du ventre, tu dis non, non, continue là. C'est pas malhonnêteté à batonder ça en abonatika. C'est pas mouté à ma belle à batonder ou ça en abonatika. C'est pas boué. Non, je vais avancer en espérant qu'un jour ça change. Qu'on soit peut-être respecté à nos justes valeurs. Qu'on soit. Marmoumissou, c'est peut-être qu'on changeait avec le temps. Et puis voilà, voilà, ainsi de suite. C'est ça qui fait que tout s'accroche. Voilà. Et les bons souvenirs jusque-là, parce qu'il y en aura encore d'autres, mais jusque-là, où tu te dis, non, j'adore ce travail. Les bons souvenirs jusque-là, c'est juste mes fans, ceux-là qui m'adorent, peu que vous soyez, nombreux que vous soyez. C'est ça, en fait, c'est moi, c'est surtout ceux-là, en fait, ils me donnent plus d'espoir, en fait. Quand je vais même sur ma page, et puisque les Alatama maintenant sont personne au Bazolo, même les Kambo. C'est grâce à l'avenir de la rumba, c'est grâce à ceci, c'est ça moi en fait, je m'accroche à ça. C'est tout parce que au moni bango bazale wa lueur d'espoir. Parce que moi je dis acclamation à Pamba et les Limbongo. Et lors à l'Iboso pénal, les foot, il y a l'Iboso, il y a chanteur, il y a artiste, tout est à l'acclamation. Et lors à l'Iboso, et lors ça la moto pénal tiki tiki. On naimi pénal va te passer quoi. Voilà. Et ça te fait pas une pression de savoir que on te dit que voilà, charge, en tout cas, il y a Rumba, Izanama Pekanayo, ça dit qu'on compte sur toi, la relève et tout. Ça ne te fait pas une pression de te dire, pourtant, le Bosonayo, Bazali, il y a Mikolo. Mais c'est toi qu'on désigne pour dire que s'il faut vraiment qu'on parle de la Rumba fièrement, quoique vous êtes nombreux, mais fièrement, on cite ces gras dedans. Ouais, juste, moi, je pense que c'est vrai, c'est une pression. C'est pour ça que un jour qu'on est des jeunes comme Segra et tout. Si on parle de Segra, simplement parce que c'est comme on dit l'avenir.
oui. l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a un moment quand on voit par exemple Nakena Musikate, RDC ou par-ci, par-là, dans chaque pays, on voit les jeunes et tout ça là et tout. Donc, Lélo, on affronte Batar à la jeune. Oui. Donc on va mettre les jeunes. Et donc c'est pour ça que quand on parle de la rumba, on voit un seul jeune se battre, c'est grave. Et donc il est peut-être temps que, jeune me souper, Aibi Kazana, moi ma grand-mère, c'est la rumba, qu'on va se battre ensemble. C'est vrai, je ne dis pas que Doudouko, Papa Vienna, me souba Tiki, non, ça toujours. Mais entre-temps, ils ont besoin de nous devant. Oui. Pour que tu garantir et l'eau au bango babanda. Ouais. Et l'autre va venir à Bissou, va aider Nganga, Batika, Pamelo Mouka, Batika, Bango Pibazoua, Bissou Pifoto continue à mon polo, Bipeto Tik et la Mounabato. C'est comme ça. Voilà. Torozo Massou n'a pas confidence après, mais là on va parler de Oli. Oli. Bon, parle-nous d'abord de tes compositions. Parce que ici, là, c'est la deuxième partie de l'émission qui est donc la confidence. Parce que là, il n'y a pas le miroir, mais d'habitude, on met devant un miroir où tu dis. Alors, dis-nous en toute sincérité, ma composition, ma capote, et bien, comme ma hernie, toujours dans ma musique, mais ma bilogo, nous, ce que tu vois, ou ce que tu vis toi-même, ou ce que dis-nous, parce que là, on va parler de Oli là. Bon, moi, je. Batobayo Kango le 21 octobre, na New Morning à Paris, l'une des salles mythiques, Tofongo le Sunzela, salle mythique. Donc, pour dire que, en fait, Oli, moi, personnellement, je m'inspire à tout moment et à chaque fois. Peu importe, na qui paraplasté. Je suis par exemple na Okumara, je suis au volant, je suis tout seul. Et là, il y a un téléphone à côté. Ah, je suis au lit. Si Oli, on a eu soutenu, en tout cas, c'est une chanson. Et on a écouté un EP dans Liboso. Ok. Et donc, il y a déjà. C'est vrai qu'il y a eu des parties qu'on a un peu modifiées. Mais c'est tout le temps, tous les jours, je compose. Tous les jours, ça vient comme ça. Moi, je. Banze mon langage, c'est un Okumara, ça veut dire qu'il y a dans la mélodie. Okay. Donc, j'écris déjà. Et commis déjà à la mélodie, et puis voilà. Donc, d'accord. Oli, c'est une alors, on va découvrir Oli. Donc, autrement dit, avantage à titre, on a et que le Baba la Mundo Cognos. Donc, Oli, c'est-à-dire Nambetu, in the bed, et c'est Golingi, ce qui est la Mundo Cognos. Donc, il y a un avantage et que le Baba la Mundo Cognos. Alors, on va découvrir ce son et on va revenir tout juste après. Et surtout, on va essayer de décortiquer parce que moi, là, depuis là, on a compris que. Il faut que l'on ait un maloba, il faut que l'on ait un pose, il faut que l'on ait un maloba. Donc je vous laisse découvrir Oli et après on va revenir. Kaka Komunanga, Kaka Komunanga, n'a pas ma terre, si ton cœur a froid, viens dans mes bras. Il sent de flamme, ce grand cœur le traumatiseur en un mot là. L'amour n'avait jamais ne passera. Sarah et Zedine et Banza. Papa, avant sa décision, Kanisana noué. Chérie Banza, ta vie de rose, Kotikana Sima. Nalia Kokanga Yangoye. Rosa et Banza. Bébé Rangaye, mon amoureux. Salamango zonga, motemeza kobeta, namango mangwe, à la chemin de tout ça, motona katia bato. Fiston avance mon canon, sosola na noue, na komi na poya kokiole, si manangaliwa, libosonanga, libomae, na pona nangaliwa, na kufa martira bolingo, pona bobala kisanga, mosapiwana kilawa love. Juju Slay à Bruxelles, Jean-Marie Molato. Bolingwe, l'amour est love. Konimbati, Natango Kosutuka, Bolingwe Kaye. Rites au Kemba. Oh, Natango Kulamuka, Bolingwe Mwangana. Le pétrole, Juslin Dondi. Natango Kosutuka, Bolingwe Bonsai. Yo nanu na jirie, bolingwe koma na kisundi. Yo nanu na kinkole, bolingwe koma na gambela. Yo nanu na lefinie, bolingwe koma na lufula kari. Popianga motukate, papa lokela mbata tukutuko.
embouteillage en avant-point et binaï. Talissa, Kwasi et Banza, Alex Business, Melga Olongo, Léa Ngombu. Fiston, ça, moli mon akaye. Kosanga yo, on bien la katwe. On jamais so kole ma kamino na ye. Et banzo sa wanga ye. La grande Natacha Olita n'est pas les voussins. Ima Oléo, Ima Oléo. Julia Brand, jolie Ambe, Manu Maner célébrité. Bolingo, Soka, Balinga Kanami Tema, Nami Sote. Nana ponanga fiston prebanza tovanda to sala ni botay. L'amour c'est comme la grippe, ça t'attrape dans la rue, ça te torture au lit. Olié, olié. Préfina sur mesure. Nana yembi olié. Deluxe Arlo. Ah moi j'ai pleuré olié. Trinzinga, Nana Nyoko Mina Mette, Chris Eoka, Olié, Omadiva Olié, Chivessim Osibi, Olié, Bandata Senambeto, et Jean-Mère le Cuba, Ate Bandina Canapé, Zuka Zuka Rambetu, Jaloux Assel, Claude Timi, mon vieux Ugandaï. Libère mon Inga, Nabolo, Oli. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est que il faut tout la rapongité. Tempo awa, au lali pongi, boulingweke. Ah oui, au lala qui. Si vous, au lali pena bien, au kangi pena moutoudon, moutoudou, ta boule qui est bon, ça y est. Mais ça, j'ai côté timement que vous, ok. Ça dépend. Et puis, côté, il peut viser dans le comique à ton pied, mon pied, tout lali, car on a l'ingi, il coule, rappel à l'ingi. Après, ça dépend, oui, il faut le bas. On a peut-être, on a ce comique à tonton à Marc, on a tonton à Jean, on a. Ou bah ça non, je parle par rapport à la chanson. Ouais, quelque part, parce que Moutassali au Bungi, donc c'est quoi comme comment l'aile n'a moins la bateau, après mon sous-sous a commis, tu me manques, tu es mon cave. C'est comme bon. Tout surveillé, mis sur la poule, les tapons, tout surveillé. On a pas si conseil, non? Kola la ti. Tout la la ti. Bolingwe, l'amour est love, konimbate, natango kosutuka, bolingwe ki. Oh, natango kolamuka, bolingwe mwangana. Yonano na tirie, bolingwe koma na kisunzi. Yonano na kinkole, bolingwe koma na gambela. Yonano na lefinie, bolingwe koma na lufula karie. Opianga mutukate, lukela mata tukutuku. Pour aller plus vite. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que bolingo kola, la tewana, eza, une façon de dire que lorsque on vit son histoire d'amour, il faut faire attention à tout. Voilà. C'est pas de la de... confiance n'exclut voilà, pas le contrôle. Voilà. Mais quand je parle du contrôle, c'est pas contrôle aussi du non, genre na commissaire hôtel le cola. Tout excès nuit. Et voilà, ça devient toxique aussi au voilà. Final. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est de pouvoir être dans la complicité, dans la communication, voilà, de rester vraiment en communion afin que les deux personnes, vous ayez l'impression que l'autre non, ça dit l'autre est réellement ta moitié. Justement. Je pense que c'est avec ça, ça fait que Bozola Eza et la qui c'est pour moi, hein, selon moi ce que j'ai compris. Donc une façon de dire que dans la relation, c'est pas parce que tu as cette femme ou tu as cet homme, c'est bon pour toi, c'est acquis, et puis tu es là tranquille, tu comme trop souvent certaines femmes font. Donc ça qui veut dire que reste cette personne présente dans la vie de ton homme, voilà, la confiance, le dialogue, etc. Ainsi, ça veut dire que chaque jour, cet amour vit, chaque jour, cet amour est en train de se renouveler. Voilà. Voilà. Et chaque jour, ça va plus. Donc voilà, ça c'est ce que moi j'ai retenu au lit. Parce que c'est vrai que
quand on était parti, moi déjà, mon esprit était parti un peu de loin, donc j'imaginais déjà, voilà. Au lit, je pensais qu'il allait avoir des choses. Moi, là, quand il y a souffrance, c'est ce qu'on a dit, parce que. Na la la na na ni. Na 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 ni. Na 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 ni. Azou, il est là. Azou, il est là. Non, comment, parce qu'il y a un petit cali vide, il faut toujours qu'on remplace Ago. Alors, c'est grand Karl, c'est vrai que tu as ton style, c'est toujours bien quand on voit, tu t'exprimes et tout, etc. Mais c'est vrai que tu n'es pas trop dans les feats, en fait. Oui, justement, parce que déjà, j'avais aussi une vision. D'accord. Je me disais, bon. J'ai commencé par un EP, par une, disons, c'est ce qui m'a propulsé, c'est une rumba. Oui. Et donc, c'est un peu ça, ma lignée. Donc, j'aimerais faire, et puis à un moment, je vais m'asseoir et faire des feats. J'avais fait un featuring, et après, il y avait un projet comme ça. Mais sauf que pendant le Covid, ma projet en retour, et ça là, le quoi, moi, là. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Exactement. Il fallait que j'entame mon album. Okay. Donc, puisqu'il y avait déjà ce projet de l'album. Parce que dans Next Level, normalement, le but était que tout ça là, des feats. Et puis voilà, la plupart des bandes me disent à la feat. Mais quand j'ai vu que déjà, Covid, les hommes sont tant ébellés, déjà, à Tourobimaté. Oui. Donc, c'était mort. Entre temps, je ne reste pas les bras croisés. Non, ça a mon album. Oui. Album oui, parce faire. Que même pendant le confinement, tu as fait quelque chose de magnifique. Hein. Un medley de toutes voilà, tes chansons acoustique. Pour permettre aux gens de voilà, Yako, Yokayo, Lissousou. Justement. Et c'était l'ensemble de tout, donc vraiment balade musicale. Et ça, c'était une très, très... Voilà, donc je ne pouvais pas rester comme ça. Je ne pouvais pas m'ennuyer à rester comme ça. Et donc, je composais, je faisais mes chansons. Team à Code Space Studio. Studio n'a duré quoi? 2019, 2020, 2021, 2022. J'ai fait non, 2022. J'ai fait 2 ans en studio. Ok. 2 ans en studio pour l'album Next Level. Et c'est ce qui a fait que l'album Next Level, aujourd'hui, c'est quand tu entends, tu sens que c'est vraiment un album de haute facture. Non. Voilà. Maintenant, le sauce tabalada, manager Manika Ebiamou, oncle Yvan Mafioso, Alora Next Level, Aébi Maouna Loba. Voilà, DG Brice Dengamouin à Paris. Voilà. Alors. Artiste, c'est vrai, Nyon Sazalakanamo, c'est vrai que ma fille Tolobé Kouya, ma fille Moussousouali, mais sinon de toi-même, quand tu te regardes dans ta musique, c'est-à-dire Rouvanda Kobolobara, moi en tout cas, si je vais encore plus loin, Napena pour l'accomplissement, je vais faire avec X. Bon, sincèrement, je ne me suis jamais vu comme ça, mais les feats, j'aimerais bien faire des feats avec des bons. Moudoutou Azabon, en tout cas, quand j'entends quelqu'un chanter bien, Nafan n'a rappelé Nayo qui est. Mais il n'y a pas un ancien là qui. Ça dit que pour toi, tu as l'impression que c'est ça fait partie de l'histoire et j'accomplis ça. Parce qu'il y a d'autres hein, qui. Il y a Kala, il y a qui va zoomer Kala, va Papa Wendo, va zoomer Kala, va Batomoussou, Sounet, na RDC, va zoomer qui va possibilité, le quoi, va Wemba, va Taboulay. Donc, en fait, juste pour dire que voilà. Parce que déjà, avant Nakoma, voilà, ton inspiration d'abord, c'était qui? Qui t'inspirait plus quand tu étais plus jeune dans la musique, la rumba? Bon, moi déjà, quand j'étais jeune, j'avais du mal à me fixer parce que j'étais plus interprète. Okay. Donc j'étais plus interprète. J'interprétais beaucoup de personnes en même temps. Ça moi, que ce soit à l'école, ceux qui posent les arts, permanence les arts, donc je chantais tout le monde. Okay. Du coup, c'est un peu comme un peu le mélange en fait. Voilà. J'ai eu à faire un peu le mélange. Tout. Après, en grandissant, ton amour au Yemba, je voulais maintenant imposer le moi. Voilà. Le moi sur ta propre tout ce que signature, j'ai appris, comme on dit. Voilà, aujourd'hui. Les gens, quand ils m'écoutent, ils ont tendance à écouter beaucoup de timbres. Mais en réalité, souvent, ils suivent au comprendre que non, il y a une certaine originalité, en fait. Ouais. Justement, associée à certaines méthodes. Voilà. Et c'est ça, quoi. D'accord. Et donc, le feat, pour toi, comme on dit, feat du siècle. Donc, pour toi, pour dire que voilà, ça, c'est un signe de l'accomplissement. Mmh. C'est avec lui-là, c'est avec telle star, j'aimerais. Ça, je pense. Ah, la terre à l'étranger. Non, je laisse Dieu décider de cela. Dieu décider. Sinon, les feats, c'est vrai que ce n'est pas dans la nature du Congolais, les feats. Mais après mon album, j'avais dit, je vais faire des singles. Parce que ça, c'était mon album, l'album de ma vie. Je vais faire des singles. Et comme c'est des singles, il y aura des feats.
bientôt là, il y aura un feat avec un artiste ivoirien. Et je compte faire un feat avec un artiste d'ici, dans le style hip-hop, à urban music. Et puis, pourquoi pas un artiste de rumba, que ce soit un grand ou un... Je sais pas, ça dépendra de qui je verrai. Et surtout si je sens qu'il est ouvert aussi, s'il veut aussi bien faire ce feat. Et voilà pourquoi pas, on va le faire. Voilà, donc avant de revenir pour boucler notre émission de ce soir, où on va encore rappeler le grand rendez-vous de ce 21 octobre du côté de Paris, en parlant de feat, on va suivre juste un extrait de Segra Carl en feat avec Fabregas, Manassé, on va dire magnifique duo, magnifique travail, et on ne peut que kiffer. Suivons. Segra Carl, feat Fabregas. Aïe, c'est des combos qui chantent. Chaque matin, je me lève, je pense à toi. La ligne yo, contre vents et marées, je t'aimerai. Malgré nos querelles, tu resteras les couleurs qui font mes aquarelles. Nami Bessina yo, fais de moi tout ce que tu veux. L'amour est plus fort que l'amour, tu le sais, baby. Sans toi, je ne peux rien. Tu es la plus belle femme pour mon monde. Je t'aime à la folie, baby. Nalima Konatina. Voilà ma panacée avec Fabregas, le métis noir. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir, samedi 7 octobre 2023. Mais avant cela, c'est vrai qu'il n'y a pas que le programme du 21 en France, mais en dehors de ça, comment Segra Carl organise, on va dire, son calendrier, c'est-à-dire il y a quoi qui se prépare, est-ce qu'il y a des on va dire il y a un album qui va arriver, il y a quoi que ce soit, ou encore après ça, il y a quoi qui se prépare, il y a des voyages ou quoi. S'il vous plaît, envoyez des messages, n'arrêtez pas, s'il vous plaît, je ne pourrais pas répondre à tous vos appels, envoyez vos messages s'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. Donc comment est-ce que ça se passe? Non, déjà, en même temps, nous sommes en studio. On tourne un studio pour deux singles où bah, sorti Namoye et aux amours brusques. Donc il y a une rumba parce qu'il ne faut pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter à faire plaisir aux mélomanes. Donc il y a une rumba là qui viendra pour encore choquer les gens. Ah, et traumatiser. Voilà, en tout cas, ça sera un traumatisme. En tout cas, ça va prêter aux crises cardiaques. Malamoro. Et puis, il y a aussi un lourd générique. Parce qu'il fallait aussi montrer le talent des autres voilà, dans ce générique. On a eu à faire un travail, en tout cas, je dirais, irréprochable. Donc, les singles vont sortir bientôt là. Je voulais que ça sorte avant le concert, mais le temps était un peu... voilà, j'ai dit, bon, tout qu'en est à nous.
à la fin, on va faire ce qu'il faut faire et puis on sort la première chanson, ainsi de suite. Et puis pour les concerts, déjà après ça, on revient parce qu'on a un projet de concert ici. Comme on n'a pas encore calé la date, ça sera un grand concert. Et après là, en tout cas, si c'est bon, si ça marche, si quand tu signes en haut, c'est bon, bah, partenaire, bazar, on annonce ce concert. Sinon, on va directement à Abidjan. J'ai un concert à Abidjan. Déjà, la date est même connue, le 9. Et après, le 9, après Abidjan. Novembre, décembre. Non, décembre. Décembre, okay. Ouais. Donc, novembre, je suis là. Après, c'est Abidjan. Mais après, il y aura d'autres dates parce qu'il faut tout Zonga. Toi, la course. Toi, ah, il faut course, dire qu'on te kiffe beaucoup à Abidjan. Hein? Oui, Abidjan, en tout cas, même moi, j'étais surpris. Oui, on te kiffe grave là-bas. Je vais dire que, Ngaton, à Abidjan, j'étais surpris de voir, par exemple, pendant la mort d'Arafat, oui. Que Toye, Matang, Aboué, les gens chantaient Lombé. C'est-à-dire, quand j'entrais dans la voiture, je voyais les Chinois, Bawaïmbe, Lombé. Donc, pour moi, déjà, je me disais, ouais, en tout cas, ça, c'est un pays. En tout cas, il y a eu pour consommer, il y a eu pour cueillir, quoi. Donc, après, ça a toujours été comme ça. Voilà pourquoi, de temps en temps aussi, j'y vais et tout. Donc, après Abidjan, il y a des concerts aussi. On va repartir du côté de la France pour encore une autre salle mythique au fur et à mesure. Au fur et à mesure des choses. Voilà, donc le mot de la fin, après nous avoir partagé ton calendrier, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que moi, j'aime beaucoup m'adresser à ceux qui aiment la bonne musique, les vrais mélomanes, pas les faux, mais les vrais mélomanes, ceux qui comprennent, ceux qui aiment, ceux qui savent comprendre. Donc, vous qui aimez la bonne musique, vous qui aimez ces Grand Carls, en tout cas, continuez à me soutenir, vous qui me soutenez. Et pour les tickets, n'hésitez pas de contacter les numéros sur les affiches, n'hésitez pas d'aller sur ma page Facebook, il y a un bouton, c'est écrit « Obtenez » ou « Prendre » ou « Acheter les tickets ». Vous cliquez là, ça vous dirige directement sur les liens et vous prenez vos tickets. Et en tout cas, les places sont limitées, c'est le moment. Prenez vos tickets, prenez vos tickets. Et surtout, je dirais, « Motena na staff tout, il y a Paris, tous ceux qui sont là-bas, bah, Ariel Bassanza Boitoto, Brice Dengamwe, je salue en même temps Jérôme Baker et puis Claude Dimi Benoît XVI. En tout cas, bino tout n'a pas essayé de monter émission tant ils ont poussé. Après, il y a tout mon staff aussi, n'a pas essayé de monter tous ceux qui sont là. Je vois Tour Eiffel, SG Julia Brand. Christian Maccabi, bon, en tout cas, je vous salue. Ma personne en mode et de partout où vous êtes, vous, mes fans, continuez à me soutenir, suivez-moi sur toutes mes pages. On est ensemble. Du lourd arrive. Voilà, fidèle téléspectateur, c'était donc Segra Carl, notre invité de ce soir dans Fiesta Tombola Waka. C'était un réel plaisir, en tout cas pour nous, de le recevoir. Et c'est sûr qu'il reviendra pour nous donner encore plus d'infos. Et encore, il aura beaucoup de choses à nous partager. Donc, merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. À la réalisation, Jonas Awe. Et au niveau de la régie, Roland Niax. Et donc, surtout, merci pour votre fidélité. Sur ce, on va dire bonne soirée en compagnie de la DRTV internationale. Je vous donne rendez-vous lundi, mardi dans la matinale, mercredi dans le décryptage et le samedi prochain donc dans Fiesta Tombola Waka. Bye bye. Pour toujours, Jonas Omingae. Eh, mon amoubale, au balo qui pota à Nineko, mon colonel Rémi Ayayos, Noëlla Okoboé. Zener Okana, Jean-Marie Molato, moi c'est Segra Carl. Où que tu sois, je pense à toi, Jonas. Ce que je ressens, c'est l'amour de l'amour. Jonas Omina, appelle-moi tout simplement amoureux. Où que tu sois, je pense à toi, Jonas. Ce que je ressens, c'est l'amour de l'amour. Jonas Omina, appelle-moi tout simplement amoureuse. Mon bébé. Ah mon bébé Jonas Ominga, mon bébé, ah mon bébé Jonas Ominga, mon bébé Linda de Linse, où est ton bébé? Mon bébé Sarah Bwanga, Verotia la bienveillée. Si j'étais pour Kantas, toi tu serais mon cowboy. Mon bébé Jonas Ominga, mon bébé. Nalale, salangaye lengiye. Nalele, salangaye lengi, tango bimisi. Elombe ya, oza elombe.
Kabila, Borel Mayala, Eris Elombe. Kukula Elombe, Mwana Yawe Elombe. Yes, the Trackmasters. Yes, the